Et au niveau des sélections nationales, alors vous êtes tout jeune, mais vous avez joué avec la Côte d'Ivoire U20 et avec l'équipe de France U20 au tournoi de Toulon. Alors est-ce que vous avez fait un choix entre la Côte d'Ivoire et la France? Non, j'ai pas encore fait de choix. Non. La réponse elle est simple, non. Non. Ça a l'air compliqué, non? Ou bien c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué, mais pour l'instant, là, je suis avec l'équipe de France et je suis content. En fait, ce qui est compliqué, c'est que la Fédération ivoirienne, par exemple, vous a contacté pour pouvoir intégrer les éléphants ou pas? Après, ça, c'est. Ça reste. ça veut dire oui, ça. Ça reste personnel, mais bon, pour l'instant, je suis en équipe de France et voilà, je suis content. D'accord. Mais vous suivez quand même un peu l'actualité des éléphants, malgré tout? Ouais, un petit peu. Avec le nouveau coach, par exemple? Si, je la suis un petit peu. C'est tout. Il n'y a pas d'autre réponse. Vous avez des contacts avec le coach actuel? Non, aucun contact. Aucun contact. Mais ça, à votre sourire, je sens que ça reste une affaire à suivre quand même, notamment côté ivoirien. Pour l'instant, comme je vous dis, je suis content d'être avec l'équipe de France, après on verra.